comment allez-vous aujourd'hui? Déjà, toi tu m'énerves, reste là. Est-ce que vous savez ce qu'elle veut dire cette coiffure? Elle veut dire cheveux sales. Alors, presque 10. 12. J'ai un peu menti, j'avoue. 12 marques de make-up, un top et un flop pour chacune d'entre elles, c'est parti. Bonjour tout le monde! Il fallait que je me décide de faire une vidéo flop ou une vidéo top. Puis je me suis dit, je vais faire deux en un. Je me suis dit, ouais mais il y a trop de produits. Donc je me suis dit beaucoup de choses. Hein. Donc je me suis dit, on va faire plus simple, on va faire un truc nouveau, on va prendre une marque et pour chaque marque, j'aurai un flop et un top. Comme ça, ça vous fera un peu une idée de ce que j'aime et ce que j'aime pas dans chaque marque. Alors dans ces produits, il y en a que j'ai acheté, il y en a que j'ai reçu évidemment vu que je reçois beaucoup de produits. Et tout ne peut pas me plaire, comme tout ne peut pas me déplaire. Hein. 12 marques parmi lesquelles il y a des marques petit prix et des marques haut de gamme de luxe. Comme je vous l'ai souvent répété, tout n'est pas forcément bon parce qu'il y a une grande marque derrière les produits. Et à l'inverse, des produits petit prix ne veulent pas dire mauvaise qualité. J'aime pas du tout l'élitisme dans le make-up, donc je n'aime pas du tout qu'on ne prône que les marques de luxe. Et bien évidemment, je le précise, c'est pas parce que je reçois des produits que je dois vous dire que tout est beau et tout est bien. Bah non, I am sorry. Non, I am not sorry. Donc ben voilà, je suis toujours autant impartiale qu'il y a 5 ans, et c'est tout. On a du pain sur la planche. Allez, je vais commencer par Urban Decay, le top. Oh, c'est un genre un top high level. C'est la base Optical, oui, Optical Illusion, une base lissante qui floute les pores. Je l'ai découverte il y a peut-être 2 mois. Pourquoi on m'a pas dit avant qu'elle existait? Quand je veux un teint lissé, mat, flouté, c'est elle que j'utilise. Le flop, je sais que beaucoup de gens l'aiment, moi j'accroche pas du tout, c'est le fond de teint All Nighter qui a une couvrance hyper élevée. J'accroche pas du tout à la texture, il est, je trouve, beaucoup trop épais, je trouve asséchant. Bon, bon évidemment, il va sans dire que pour toutes les marques, j'aime beaucoup d'autres produits et j'en aime pas aussi d'autres, mais là je me suis limitée à 1 et 1. Deuxième marque, NYX. Là j'ai un peu triché. Le fond de teint Total Control qui a aussi une couvrance assez haute dans mon cas parce que moi je n'utilise que des fonds de teint à couvrance moyenne, vous le savez, donc pour moi c'est un exploit quand je le mets. Et comparé à celui-là, derrière, c'est vraiment un tout autre aspect sur la peau. Je sens pas lourd, il est assez aqueux donc il est léger à porter. Fini velouté, je le kiffe trop. La palette Sweet Cheek avec mon blush favori là, le pêche irisé doré. Oh my god, qu'est-ce qu'il est beau. Passons au flop et je remarque que j'ai beaucoup de bases de teint en flop, hein, je sais pas pourquoi, et beaucoup de fonds de teint en top. C'est la base Pore Filler qui, je trouve, ne sert à rien. Non, j'accroche pas du tout. En plus, elle pluche un peu, non, j'aime pas. Et deuxième flop pour moi, c'est les suèdes, mais liquides, pas en crayon. Je les trouve pas confortables, je les trouve trop épais. On passe à la troisième marque, Dior. Et là, je suis déception et je suis tristesse. J'ai essayé les deux produits le même jour et je pensais, c'est-à-dire aujourd'hui en fait. Donc j'ai essayé les deux produits aujourd'hui en pensant que le flop et le top auraient été inversés, comme quoi. Donc le produit que je pensais que j'allais aimer, genre moyennement, je le kiffe de ouf. Vous vous dites sûrement que j'ai un beau make-up des yeux. Merci, je sais. Non, dites-vous ce que vous voulez. Mais j'ai voulu tester leur palette d'été, qui est la palette qui a servi à maquiller Bella Hadid sur la pub du Dior Pump & Volume, le nouveau mascara. J'adore les fards, la texture, ils sont lumineux, ils sont pas irisés, ils sont pas mat, ils sont juste lumineux. Oh, coup de cœur pour la palette. Et les flops. Non, là je suis triste. Ce sont les Lip Tattoo, un rouge à lèvres hyper liquide que vous mettez, qui tatoue vos lèvres pendant des heures. J'avais tellement hâte de les essayer. Quand je les ai reçus, je me suis dit wouh. Ils sont tellement liquides qu'il n'y a aucune opacité. Je fais toujours mon contour lèvres au crayon avant. Ça m'a fait bouger mon crayon de ouf. Et ça m'a fripé les lèvres. Ah non, je sais pas, j'ai pas du tout adhéré. Je m'attendais à mieux. Je suis déçue. Parlons des produits MAC. Mon top, c'est un des fonds de teint que j'utilise aussi depuis des années quand je veux vraiment la couvrance la plus légère du monde. C'est leur fond de teint hydratant qui, je trouve, se fond super bien sur ma peau. Il est confortable, il est lumineux. Le flop, je pensais aimer, au final non. C'est la palette qu'ils ont sortie pour l'édition limitée Kabuki Magic, qui est une palette avec 4 fards pailletés. Je trouve que c'est toujours risqué de proposer des fards pailletés, sinon les paillettes tombent, même avec un spray fixateur. Et c'est le cas, j'adore les couleurs claires dans le coin interne, mais après une heure, j'ai des paillettes un peu partout. On passe à la cinquième marque qui est L'Oréal et j'ai vraiment eu du mal à me décider pour le top, donc j'en ai pris 2. Premier top, le fond de teint que je mets le plus au quotidien depuis le plus longtemps, c'est le Lumi Magique. C'est vraiment le fond de teint que je mets quand je veux une couvrance moyenne, que je veux vraiment un teint travaillé, un make-up complet avec un teint lumineux, parce qu'il est lumineux, hein, d'où son nom. Voilà, je l'adore ce fond de teint. Deuxième flop, les... deuxième top, qu'est-ce que je raconte? Donc deuxième top, les highlights accord parfait, que ce soit en poudre ou liquide, je les trouve vraiment top. Avec une préférence pour les teintes les plus claires et pas les teintes dorées vu que mon teint est relativement clair. Les dorés c'est plus pour l'été, ils ont bien fait leur job à ce niveau là. Ça aurait pu être une grosse déception et c'est un gros top. Bon, le flop par contre pour moi c'est ça, je sais plus comment il s'appelle. Le Lip
paint mat qui n'est pas mat. Pour moi, c'est plus un fini velours, mais pas mat. Et je n'aime pas quand on nomme un produit mat, qu'on le vend mat et qu'il n'est pas mat. J'en ai déjà parlé avec L'Oréal pour avoir un peu leur point de vue. Et pourquoi il n'est pas mat? Parce qu'ils ont pensé que Madame Tout-le-Monde aurait moins aimé un vrai mat qui aurait peut-être été asséchant ou difficile à mettre, et que là, en prenant un mat velours, c'est plus facile, c'est plus abordable pour tout le monde. Je suis d'accord sur le principe, mais faut pas l'appeler mat alors. Sixième marque, c'est Guerlain. Gros flop. Le fond de teint, lingerie de peau, perfection naturelle, SPF 20. Quand je l'ai appliqué, j'en étais convaincue. 10 minutes après, j'étais orange. Je vais le mettre sur ma main et je vous montrerai dans 5-10 minutes. L'oxydation de ce fond de teint, c'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Je vous le mets là. Pour l'instant, il est même un petit peu plus clair que ma peau. Mais vous verrez dans 10 minutes. Ah, ça commence déjà. Oh, ça commence déjà sur les bords. Sur les bords. C'est exagéré. Je l'avais appliqué, puis j'étais partie faire un truc, j'étais revenue pour mettre mon anti-cerne, et mon anti-cerne était mais clair de ouf. Et là je me suis dit mais j'étais pas si bronzée. Et en fait le fond de teint, il s'oxyde de dingue, soit. Et le top, bon c'est pas un top de folie parce que j'ai peu de produits Guerlain, et dans ceux que j'avais c'est celui-ci que j'ai retenu comme positif. C'est leur correcteur de teint, un anti-cerne, voilà, hydratant, effet floutant. Ça j'en suis pas sûre. Hydratant, j'en suis sûre. C'est un anti-cerne correcteur léger, donc rien de très couvrant, mais qui peut convenir, je pense, à beaucoup de monde. Oh oui, j'adore faire ça. Top flop, j'adore. Je sais pas pourquoi. Septième marque, c'est Too Faced. Là, je pense que je vais un peu à contre-courant. On va commencer par les tops. Et les mascaras, le Better Than Sex, que ce soit le classique ou le waterproof, avec une préférence pour le waterproof qui maintient beaucoup mieux la courbe. Par contre, qu'est-ce qu'il est dur à démaquiller, c'est un calvaire. Et ensuite les rouges à lèvres Melted Matte que je porte encore aujourd'hui. Matte, pas trop asséchant, ça va, il y a pire. Bonne tenue, jolie couleur, je les adore. Alors flop, j'ai pris une palette mais j'aurais pu toutes les prendre. Voilà. J'utilise les palettes dans mes make-up. C'est pas ça que je dis. Mais la déception quant à la pigmentation des palettes, c'est un truc que je comprends pas. Il y a des belles couleurs, mais si je les avais pas et si je connaissais la pigmentation, j'irais pas les acheter. La première palette Too Faced que j'ai reçue de la marque, j'étais comme une ouf et j'ai été déçue direct de la pigmentation. Je m'attendais à un truc de ouf et au final, je dois reprendre souvent de la matière quoi. Je comprends pas l'euphorie autour des palettes Too Faced. Elles sont loin derrière les Lorac, loin derrière les Kat Von D. Franchement, je comprends pas. Voilà, après, c'est pas un big flop. Elles sont moyennes et quand je veux une couleur que je trouve pas ailleurs, je les utilise, mais sans plus quoi. On passe à Laura Mercier et le flop, bah, c'est une base de teint. La base de teint, bah, y a pas de nom, c'est juste base de teint. Je la trouve inutile. Ben bah, voilà, je la mets, je vois pas de différence. Je pense que c'est juste une base, peut-être pour la tenue du make-up, mais pour moi, elle sert à rien. Je trouve pas que mon make-up s'applique mieux quand je la mets en base. Et maintenant, en top, un produit que j'utilise au quotidien quand je veux un illuminateur doré, c'est la poudre illuminatrice en teinte Indiscrétion, parce qu'il y a plein de teintes, moi j'ai pris la dorée. C'est quand je veux vraiment une illumination légère, naturelle, pas comme aujourd'hui quoi. Et en autre petit top, c'est un bon produit, je dirais pas que c'est la poudre qui a révolutionné mon dessous de l'œil, bah c'est la poudre pour le dessous de l'œil. Poudre lumineuse secrète dessous des yeux. Je sais qu'on en parle comme si c'était vraiment un must have. Maintenant, après l'avoir testé, je préfère quand même ma poudre HD chez Make Up For Ever, compacte. Mais si celle-ci n'existait pas, celle-ci serait mon top, mais elle est pas lumineuse. Pourquoi tu me mets lumineuse? Je trouve pas que t'es lumineuse. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de trouver une poudre pour le dessous des yeux parce qu'on a vraiment une peau super fine à ce niveau-là. Et donc il faut une poudre qui soit super fine. Et les poudres super fines, c'est très rare. On passe à Benefice qui est donc la 9ème marque. Le flop, non le top. On commence par les tops. T'as pas encore compris, meuf? Alors le top se trouve dans la palette spéciale blush et c'est le blush Colorista. Non, putain. La meuf qui est brandée avec sa coloration de ouf. C'est le blush Coralista. Attendez que je dis pas de bêtises. Oui, voilà. Putain. Pas Colorista. Coralista. Qui est un blush du coup corail, irisé doré. Je trouve canon. Et le flop, je l'avais déjà mis dans une vidéo flop il y a genre 5 ans. Alors oui, ils ont changé le packaging depuis. C'est le correcteur, l'anti-cerne Boing. Anti-cerne crème en peau que je trouvais à l'époque trop gras, trop épais pour le dessous des yeux. On vient d'en parler, faut pas des produits trop épais pour cette zone. Et je le trouve toujours aussi gras, aussi épais. Je trouve qu'il est pas du tout fait pour le dessous des yeux. Encore moins si on a une peau avec des petites ridules, une peau plus mature. Non, je comprends pas. Je suis curieuse de savoir si vous l'aimez cet anti-cerne. Ah non, j'ai 13 marques, je comprends plus rien. Peut-être je me suis trompée, on était à la 8ème, puisqu'il m'en reste 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 14? Je ne compte plus. Marque suivante, Make Up For Ever, le top, la poudre HD compacte, je vais pas m'étaler. J'ai la libre, je l'aime pas trop, mais la compacte, c'est la poudre de ma vie. Elle est fine, elle floute les pores, elle convient si bien au-dessous des yeux qu'au reste du visage, je m'en passe pas. Et
en flop. Bon là c'est pas un flop, c'est encore une fois un produit que j'avais, que je trouve un peu moins bien que les autres. C'est le mascara waterproof Aqua Smoky Lash. Il allonge bien les cils et c'est sa promesse, longueur, courbe et volume. Là je suis moins d'accord, moi il manque le volume. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin. Marc Jacobs, il y a un gros top là-dedans, c'est le mascara. Je l'ai essayé vraiment parce que j'avais pas de mascara sous la main, tout était dans ma valise et donc j'ai pris un nouveau mascara que je devais tester parmi tous les autres produits. Je me suis dit ouais c'est bon, encore un mascara nul. Hashtag choqué. Il a pas de nom, c'est juste mascara Marc Jacobs. Il allonge, il donne du volume, il maintient la courbe. Très bonne surprise, très bonne surprise. Flop, la base de teint, hein, je l'ai pas du tout aimé, je pense à la coco. Comme la Laura Mercier, aucun effet. Je pense que l'effet c'était hydratant, lumineux, non pas lumineux, mais hydratant. Et franchement, que dalle, nada, il s'est rien passé. Oh Maybelline, j'avais oublié. On passe à Maybelline. Top, le fond de teint. Vous le savez, le fond de teint coussin de Maybelline que j'utilise lui quand je veux. Un fond de teint quotidien, naturel, vraiment seconde peau. Teint frais, éclat naturel, c'est exactement ça, éclat naturel. Le MAC, il est naturel, mais il vous apporte une luminosité supplémentaire que vous n'avez pas forcément. Là, c'est un éclat naturel, il sublime juste votre peau, il est léger, il est frais. Vraiment, je suis d'accord avec ce que vous dites dessus. Deuxième top, vite fait, c'est l'illuminateur en stick. Bonne surprise, ça aurait pu être aussi une catastrophe, parce que le stick aurait pu être collant, il aurait pu déplacer le fond de teint en l'appliquant par-dessus. Et là, ils ont fait un stick, je sais pas, un stick gel qui glisse, un stick velours, et du coup, il ne déplace pas, il glisse vraiment sur la peau, voilà. Je sais pas ce que j'ai fait, je vois pas, mais bon bref. Ce sont les Master Strobing Stick. Strobing Stick. Flop, 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 flop. L'anti-cerne correcteur crayon texture crème gel, on sait pas trop. Effet bizarre sur la peau. Couvrance presque inexistante. Texture qui ne se prête pas du tout au-dessous de l'œil. Et comme il n'y a pas de couvrance, on dirait qu'on met une matière pour rien et donc ça fait des couches pour rien sous les yeux. Ouais, c'est ça en fait. Et enfin, NARS, là vous allez être surpris, je pense. Et moi aussi, je l'étais. Top. Ouais, je sais. Le bronzer Laguna et le blush Orgasm. Alors vite fait, il y a quelques semaines quand je les ai reçus, sur Snap, je vous ai expliqué que le blush, je l'avais acheté il y a 5 ans et que ça avait été une grosse déception par rapport au prix que j'avais payé. Donc quand je les ai reçus, j'étais un peu dubitatif, mais je me suis dit, laisse-leur une seconde chance. Utilise-les comme si tu les connaissais pas. Et Laguna, je l'ai déjà bien creusé, mais bien creusé. Et au final, j'ai repris goût à ces produits. J'ai pris goût au Laguna et j'ai repris goût au blush. Quand je vais utiliser un blush rose, c'est lui ma référence. C'est le premier que je prends. Je le trouve léger, lumineux, pas agressif, pas un rose flashy, naturel. Je l'aime beaucoup. Bon après, on va revenir à la réalité deux secondes. Parce que là, je parle avec passion. C'est des tops dans la marque NARS. C'est pas pour autant qu'ils sont 10 fois mieux qu'un bronzer ou un blush à 10€ dans la marque. J'ai appris à les redécouvrir. Et ce ne sont plus des flops à mes yeux. Et maintenant, flop, deux bases pour le teint. Une base illuminatrice et une base illuminatrice aussi. Comment c'est possible? Radiance, qui lisse apparemment le teint. J'ai vu aucun teint lissé avec ça, aucun effet radiance, et avec celle-ci, aucun effet illumination. Ou alors un effet vraiment très léger qui se remarque à peine, quoi. Wow, ben voilà! Oui, alors dites-moi d'ores et déjà en commentaire et via un petit like si vous voulez le même genre de vidéo pour les soins. Donc 10 marques de soins, un top, un flop. Bon, ben j'espère que vous avez kiffé la vidéo et que ça vous aidera pour vos prochains achats. Et dites-moi en commentaire évidemment quels sont vos flops et vos tops du moment. Ne me faites pas acheter des trucs qui me serviront pas, les gars, donc dites-moi. Nous on se retrouve sur les réseaux, venez me rejoindre et très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.